ដើម្បីឲ្យអង្គជំរះពីនិតពិចារណាសំលោកបច្ចៈឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះក្នុងចំណោមចក្រមនៃអង្គជំរះការស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកទៅមានការយល់ខុសគ្នាសូមអោយអង្គសាវនាការបើកការដេញដោលឬគាត់ថ្លែងសេចក្តីកម្មសាធម្មីនោះទេដូច្នេះសរុបមកវិញគាត់សូមឲ្យខ្ញុំបានដាក់ជូនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលិលាអសជូនលោកប្រធាននិងអង្គលោកប្រធានសម្រេចនិងពិចារណាតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណ Monsieur le Président, nous n'avons pas d'observation particulière à faire, simplement nous notons que les règles de preuve qui sont les nôtres, la règle 87, doivent évidemment être remplis pour pouvoir aller de l'avant avec cette demande. Nous estimons qu'a priori, cette demande paraît justifiée et utile à la manifestation de la vérité.
J'espère que la partie civile pourra, si elle est autorisée à faire une déclaration écrite, expliquer précisément en quoi le témoignage ou l'élément de preuve qu'il souhaite apporter n'était pas disponible avant l'ouverture de l'audience. Je crois qu'ils auront à exposer ses motifs et qu'ils existent. Je vous remercie. គាត់មិនបានលើកឡើងទៅលើបញ្ហានឹងហើយចំណុចនេះហើយខ្ញុំជឿថាគួរឲ្យគាត់ទៅសេបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើមូលហេតុនោះសូមអរគុណលោកប្រធានចុះខាងមេធាវីការពារក្តីវិញតើចង់មានមតិយោបល់អ្វីទេអំពីទៅលើសំណើសុំរបស់មេធាវីហុងកំសួនដើម្បីមិញនេះ Merci, Monsieur le Président. Je rappelle tout d'abord qu'il s'agit d'une partie civile, la 32, qui a été contestée par la Défense, puisque cette partie civile a indiqué qu'elle avait été membre du personnel de S21. La Défense a contesté qu'elle avait été membre du personnel de S21. Et je rappelle que le penseur a voulu faire entendre un témoin qui est lui-même venu dire que cette personne ne faisait pas partie du personnel de S21. Faut-il maintenant revenir à nouveau sur tout cela? Ma cliente partie civile n'a pas osé dire à la chambre lorsqu'elle a témoigné certains faits. Donc, les faits étaient connus. Je respecte le fait qu'elle n'ait pas osé, mais cette personne est partie civile. Elle a des avocats chevronnés. Il lui suffisait à ce moment-là de se rapprocher de ses avocats. De leur dire, je n'ose pas dire cet élément à la Chambre, et les avocats auraient à ce moment-là présenté une demande de huis clos. Mais nous sommes aujourd'hui à la fin des débats sur les faits, et on accepterait qu'un témoin revienne. Un témoin partie civile, en disant, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, si vous ouvrez cette boîte, ce n'est pas un témoin que vous allez avoir. C'est plusieurs parties civiles qui vont revenir en disant, et moi aussi j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Alors je reviens toujours, il y a des règles, et en l'occurrence il s'agit de personnes qui sont conseillés par des avocats. Ils pouvaient, au moment où la question s'est produite, ils pouvaient consulter leurs avocats et immédiatement auraient saisi la chambre. Je pense qu'aujourd'hui c'est tardif et notamment venant de quelqu'un dont la présence à S21 a été contestée. Et toujours contestée. Je vous remercie. ត្រឹមត្រូវហើយបញ្ហានោះគឺថាខ្ញុំបានជំទាស់ទៅលើបុគ្គលនោះដែលថាជាអតីតបុគ្គលិកស21ហើយខ្ញុំនៅតែជំទាស់ដដែលសូមអរគុណមានបញ្ហាអីទេលោកកងកំទួនសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានបន្តិចបាទបាញ់មិញបើសិនជាខ្ញុំបាននិយាយទៅមិនច្រឡំទេខ្ញុំបានបាននិយាយថាពេលកូនក្តីនោះបានឃើញ បុគ្គលិកដែលជាសាក្សីនឹងអតីតបុគ្គលិកស21នាក់យាមមិនមែនអ្នកក្រៅទេបាទសូមលោកប្រធានសម្រេចតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
ខ្ញុំអង្គរះសូមជម្រាបដល់លោកមេធាវីសង្គមសួនថាអង្គរះបានស្ដាប់ដែលជិតត្រដាក់នៅសំណើសុំរបស់លោកហើយនឹងមតិគាត់ធំគល់របស់ភិក្ខីតំណាងសាប្រញ្ញានិងមេធាវីកាពីបញ្ហានេះអង្គរះនឹងយកទៅពិភាក្សាសម្រេចនៅពេលក្រោយ បន្តជាកិច្ចបន្តនេះមុននឹងដល់វេទិកាទៅសហប្រញ្ញាអង្គរះសូមប្រកាសនៅសេចក្តីសម្រេចអង្គរះសូមប្រកាសនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនត្រង់ផ្នែកនៃសម្រេចតាក់ទងទៅនឹងសំណើររួមរបស់មេធាវីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបវេណីក្រមមួយនិងក្រមពីរ ដែលសូមឲ្យចេញសេចក្តីសម្រេចលើសិទ្ធិរបស់មេធាវីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបវេណីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានអំពីការផ្ដន្ទាទោសឯកសារលេខ E72 ដែលបានដាក់កាលពីថ្ងៃទី 9 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2009 អង្គជំនុំជម្រះសូមប្រកាសនៅផ្នែក នៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនស្របតាមមាត្រា 14 ចំណុច 1 ក ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដោយខាងក្រោមតាមមតិភាគច្រើនរបស់ចក្រមនិងមតិជំទាស់របស់ចក្រមសង្មាក់ឡាវើញ អង្គជំរះសម្រេចដោយខាងក្រោមមួយបដិសេធសំណើរួមរបស់មេធាវីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបវេណីក្រមមួយនិងក្រមពីរពីរមេធាវីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបវេណីគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានតាក់ទងនឹងការផ្ដន្ទាទោសនោះទេដោយរួមទាំង សេចក្តីសន្និដ្ឋានអំពីការប្រន្តទោសសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្នែកច្បាប់អំពីការប្រន្តទោសនិងសេចក្តីសន្និដ្ឋានឬការវិដំឡៃនៅកត្តាទាំងឡាយដែលត្រូវសម្រេចសេចក្តីអំពីការប្រន្តទោសមេធាវីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបវេណីគឺអនុញ្ញាតឲ្យយោងទៅលើអង្គហេតុទាំងនោះតែក្នុងករណីដែលត្រូវយោងទៅលើវិរុទ្ធភាពឬគ្មានវិរុទ្ធ ភាពរបស់ជនជាប់ចោតឬការទាមទារសំណងរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋវិនីតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីសម្រេចជាលិលាអសរដែលមានសំអាងហេតុនៃការឯកភាពភាគច្រើននិងការជំទាស់មួយផ្នែកនោះនឹងចេញក្នុងរយៈពេល1សមត្រប់ដោយរំលឹកឡើងវិញនៅសេចក្តីសម្រេចដែលទើបតែបានប្រកាសខាងលើអង្គរះសូមធ្វើការណែនាំដល់ភាគី ឲ្យផ្ដល់នៅអំណះអំណាងរបស់ខ្លួនតាក់ទងនៅបញ្ហាមួយចំនួនឯខាងក្រោមនេះតើមេធាវីតំណាងដើមរដ្ឋរំនីគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសួរសំណួរដល់ជនជាប់ចោតនិងសាក់សីដែលត្រូវកោះមកផ្ដល់ទៅខៃកម្មលើផ្នែកមួយនៃសម្ណការដែលមានកម្មវត្ថុការសួរសំណួរដល់សាក់សីនិងអ្នកជំនាញឬបញ្ហាតាក់ទងនឹងអត្តចរិតរបស់ជនជាប់ចោតដែលឬទេដោយយោងតាមឯកសារសម្រេចកំណត់ការវិភាក សម្ណការរបស់អង្គជំរះចុងថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2009អំណះអំណាងរបស់មេធាវីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបាលនីសហប្រញ្ញានិងមេធាវីការពារក្តីនឹងត្រូវលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះតាមអ្វីដែលអង្គជំរះបានជម្រាបជូនរួចហើយក្នុងនេះគឺជាការសម្រេចហើយជាកិច្ចបន្តអង្គជំរះសូមអញ្ជើញ តំណាងសហប្រញ្ញាឡើងធ្វើការទទួលដីសន្និដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិក្នុងការថាតើដើមរងនេះមានសិទ្ធិក្នុងការសួរសំណួរដល់ជនជាប់ចោតនិងសាក់សីដែលបានគ្រងកោះហៅមកផ្ដល់តក្កីកម្មអំពីអត្តចរិតរបស់ជនជាប់ចោតដែរឬទេជើញបាទ
Đồng năng miên miền Đồng Nang Đồng Nang ໃນវិធានទី Hay vị thiên mà phải bay, phải muối có, có bán trái này thả. Nó phê tăng khuôn chứ đàm bằng đăng rọt về nì. Chôn rong cổ, khai chế phía ký, nóng đầm nà ca này tệ vị thí phẩm một toàn. Nâng chi vị xe thật tiết cư vị thiên cao sập bốn, này vị thiên tay nóng có bán một hai nhà khơi này thả. Phía ký đàm bằng đăng rọt về nì, có trơ bàn. អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់កិច្ចវិភាសាដេញដោលដូច្នេះដើម្បីមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យមេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់កិច្ចវិភាសាដេញដោលរបស់ខ្លួនដោយតាមដែលសេចក្តីសម្រេចលោកប្រធានបានប្រកាសបាយមិញដោយយោងទៅលើពីរដ្ឋភាពនោះ mê thờ vi đam mình đăng rót về ní cua tại miền ở ca đầm bay thưa ca xạ xua đằng này mà giang tiết đầm na ca này tê vị thi cần lo mốc cứ mê thờ vi đam mình đăng rót về ní xuất tại ban chỗ rùm nếu không nông cướp ca xua đánh đau đằng ọ hai con mình miền vị thiên na mũi để chay ham khót thiện kỳ đam mình đăng rót về ní nông ca xạ xua đánh đau này đài đôi chân này đầm nắng ai giờ cá vô khơi thả vì chỉ cá xong rung đài ăn này nhát ỏi mê thử vi đa một đăng rót về ní bọn to ca xua đánh đau đôi pê còn lo mọc đại bàn thường chẳng chi bọn to ní xạ cá rây ăn đã chết bọc nhóm nâng thưa cá con xong con bằng thai mà xong một con xong chưa nhỉ? Je vous remercie, Monsieur le Président. Étant donné le temps très restreint qui nous est accordé, je me limiterai à quelques réflexions générales qui tiennent de l'ordre de la cohérence et de la logique. Il n'est pas impossible cependant que je dépasse le temps d'une à deux minutes. Je ne voudrais pas plagier notre François Roux, mais celui-ci, hier matin, a fait une tirade dont je voudrais reprendre la substance. Il a affirmé que le CETC était le premier tribunal international ou hybride à accepter des parties civiles, que c'était une avancée réelle, et cela au terme de 15 années de lutte. Il a, si je ne me trompe pas, poursuivi en déclarant qu'il ne fallait pas gâcher ou annuler tous les efforts consentis. C'était dans un contexte différent, c'est vrai, mais il a également affirmé qu'il s'agissait d'un progrès considérable dans la justice pénale et que nous étions donc tous condamnés à l'excellence. Alors aujourd'hui, il faudrait que la défense vienne avec des arguments qui soient compatibles avec cette déclaration. Pour des raisons de cohérence et parce que le droit soutient cet argument, nous sommes d'avis que le droit des parties civiles à participer au débat et à l'examen des témoins devant cette chambre doit être garanti et préservé.
Les victimes qui se sont constituées partie civile sont, comme le disent les règles 23.1 et 23.6, des parties au procès pénal. C'est le principe général. Alors, de 211, soit on est parti au procès et les conséquences, toutes les conséquences doivent en être tirées. Soit on ne l'est pas. Il n'y a pas dans les règles internes de distinction qui justifierait que les parties civiles soient des parties au rabais, des demi-parties. S'il y a des restrictions, comme par exemple concernant le droit d'appel, elles sont expressément stipulées dans les règles internes et il ne peut pas en être déduit que les parties civiles ne pourraient pas poser de questions à certains témoins. Qu'ils soient de moralité ou de personnalité, cela ne change rien. La règle 91 relative à l'audition des témoins n'opère d'ailleurs aucune distinction entre les parties et rien ne justifierait qu'une limitation soit maintenant introduite. En effet, pour revenir à la tirade de M. Maître Roux, c'est effectivement la première fois que les victimes participent activement en tant que partie au débat et à l'intégralité d'une procédure devant un tribunal internationalisé. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, elles ont pu le faire à tous les stades de la procédure. Certaines se sont constituées devant les juges d'instruction. Elles ont été autorisées via leurs avocats à participer activement devant la chambre préliminaire déjà au débat relatif à la détention provisoire. D'autres se sont constitués devant cette chambre après l'ordonnance de renvoi et depuis ont eu leur mot à dire à chaque audience. Devant cette chambre, parce que celle-ci respecte le principe du contradictoire, toutes les parties ont pu faire valoir leurs arguments en droit et en fait. Toutes les parties ont été autorisées à poser des questions à tous les experts, à tous les témoins qui se sont succédés à la barre concernant M13, S21, Chengkek, S24. Toutes les parties ont aussi été invitées par cette chambre à poser des questions aux parties civiles, qu'elles soient survivantes de S21 et ses annexes, ou qu'elles soient des proches des personnes écrasées, et notamment sur les souffrances qu'elles ont endurées. Alors, au nom de la même logique et du principe du contradictoire, nous pensons que toutes les parties, sans discrimination ni différenciation, devraient être autorisés à poser leurs questions à l'accusé et aux témoins concernant la personnalité de l'accusé. C'est à la fois utile et nécessaire à la manifestation de la vérité, et cela n'empiète ni sur les droits de la défense ni sur le pouvoir discrétionnaire de cette chambre. Il n'est pas justifié que les parties civiles soient soudainement réduites au silence, car leur voix, leur perspective, qui est différente de celle de l'accusation, contrairement à ce qu'a dit Maître Roux, leur voix est importante et même essentielle. Lorsque des témoins viendront nous parler du pardon ou de la réconciliation, par exemple, si l'on n'entend pas les parties civiles à ce moment-là, je pense que ce serait une erreur. Les témoins que nous allons entendre maintenant, il ne s'agit pas des témoins de la défense uniquement, il s'agit de témoins appelés à la barre par décision de votre chambre, et ils ne sont pas différents des autres. En réalité, ces témoignages-là et ceux qui ont déjà été entendus, ainsi que les déclarations des parties civiles, vont tous, en fin de compte, vous aider en tant que juge à vous déterminer tant sur la culpabilité de l'accusé que sur le niveau de la peine. Tous les témoins au procès, et pas seulement ceux qui concernent la personnalité de l'accusé, vont vous permettre, et cela n'appartient bien sûr qu'à vous, de déterminer
quels sont les faits criminels, la responsabilité, le mode de participation criminelle et l'existence ou non de circonstances atténuantes ou aggravantes. Ces témoins concernant la personnalité de l'accusé n'étant donc pas différents en eux-mêmes des autres témoins, il y a lieu d'autoriser les parties civiles à jouer pleinement leur rôle de partie devant cette chambre. Maintenant, si votre chambre est d'accord sur le principe que les parties civiles participent à cette partie des débats de manière active, cela ne vous empêche en rien de moduler cette participation si vous l'estimez utile, par exemple en ce qui concerne le temps de parole qui sera accordé aux parties civiles, comme vous l'avez d'ailleurs fait aujourd'hui, puisque nous ne parlons que 10 minutes et les autres parties 40. Mais ces difficultés que vous anticipez peut-être en termes de gestion du temps de parole des différentes parties dans les audiences à venir ne devraient pas vous amener à remettre en cause le principe même de la participation des parties civiles à ce procès, principe qui a été celui que vous avez appliqué depuis le début dans ce dossier numéro 1. Et nous ne parlons pas ici du tout du dossier numéro 2. Et finalement, je vous rappelle ce que disait Maître Roux, certes, pour soutenir un argument différent, il ne faut pas gâcher l'avancée, le progrès qui a été fait. Il ne faut pas gâcher ou annuler tous les efforts consentis ces dernières années. Je vous remercie. ដល់ជាងដប់ឆ្នាំមកហើយនោះប៉ុន្តែចំណុចនេះគឺយើងពិតជាខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលនៅភាពសក្ដិទាំងអស់គ្នាជាឯបតអរអរជម្រះគោលវេទិកាទៅមេធាវីដើមដឹងរដ្ឋបវេនីទាំង 4 ក្រុមដើម្បីធ្វើការចាប់រំអំពីថាតើដើមរដ្ឋនេះមានទឹក ត្រូវបានទទួលសិទ្ធិក្នុងការចូលក្នុងការសួរសំណួរដល់ជនជាប់ចោតសាក្សីអ្នកជំនាញអ្នកត្រូវកោះហៅផ្ដល់សិក្ខាកម្មអំពីអត្តចរិតរបស់ជនជាប់ចោតដែរទេសូមអញ្ជើញសរុបមាន40នាទីសូមអរគុណលោកប្រធាននិងសូមគោរពលោកប្រធានព្រមទាំងលោកស្រីលោកចៅក្រមអង្គសាវនាការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទីក្រុង នៅក្នុងអង្គហេតុសំសន្ទុះនៅក្នុងការសម្រេចស្ដីអំពីភិក្គីធ្វើសេចក្តីសន្ធានដោយសង្ខេបតទៅនឹងមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញនេះឬដើមបណ្ដឹងរដ្ឋនេះមានសិទ្ធិក្នុងការសួរសំណួរដល់ជនជាប់ចោតនិងសាក្សីនេះក្នុងនាមជាបាទជាមេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញនេះក្រុមទី2និងក្រុមទី4 សូមធ្វើការសន្ធានរួមគ្នាទាំងម្ដងដោយជាបាទយកពេលវេលាមិនជាច្រើនទេដើម្បីឲ្យមេធាវីបរទេសគាត់នឹងធ្វើការសន្ធានបន្តពីខ្ញុំបាទទៅទៀតជាបាទទី1គឺសូមជម្រាបលោកប្រធានដែលបានជ្រាបថានៅក្នុងវិធានផ្ទៃក្នុងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាវិធានទី 23 ដោយលោកសហប្រធានាបានជម្រាបជូនអំណាញ់មិញនេះបាទសូមបន្ថែមខ្លីៗថាការបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីអង្គជំនុំជម្រះអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺបានសម្រេចទទួលយកការបើកការកាត់ទោស អ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺបង្កើតឲ្យមានភាគីព្រះរាជអាជ្ញាភាគីជនត្រចោតនិងភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីហើយដែលអនុលោមយកច្បាប់ឬនីតិវិធីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកប្រើជាមួយផងដែរនៅពេលណាដែលវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់
ông chủ nông trồng rác vị sầm anh là cả Campuchia miền cả bạc ảnh nhát ở từ tuổi dục ban nâng ốp co ăn ra chia thảm tiền chẳng nó không chấm nói tí mùi này vị thiên tí mà phải bay này vị thiên tây không nấy chấm nói co bàn chai thả tí mùi co cô bấm non này bẩn đắng rót vào bên đi nơi chấm buộc mốc ong chấm nôm chấm ra phía sau máy cử cho rúm không đầm nà ca này tị vị thiên bồ tát toàn trò chăng nâng nét đại tự tu khởi tâu chấm buộc khởi tâu cam được không chấm ta thì ca được bao ong chấm nôm chấm ra phía sau máy đòi quan tru đòi ca chào bậc cảnh chấm nói đi khi mát vô khinh thả nơi không vị thiên tìm một hay bay ในวิธีในขนมบานใจถ้าจุนรงกรุได้โจรวมขนมในเตวิธีในจมพัวมกองจมนุ่มจมราวิสมันขนมเนียมจะดำบันดังเราทับไปนี่เมียนสุดเต้าบ้านดำนางโดยมีวิจิตหรืออันตรายจิตโดยสหการจมวยมีวิจิตตามในเตวิธีโดยขังกล่าวให้นักขนม chúng nói tìm một hay vì thiên mà hay bay bẩm chúng nói bẩm pel co là trong là bàn tay là chúng nói co thật chuyên rồng cua tàu miền sắt chưa được hứa đào sẽ đấy pi không chấm nào mới thì vị chiết nông an đã chiết để bán cho chúng mua nấu cân nặng mới thì vị này phải chi này chạy cam phải chi đầm bay sầm róp sầm rúa đào ca chưa được hứa ní chuyên rồng cua tàu tàu bán nấu bánh chi chúng mua mới thì vị được miền trai không vị thiên đập pi cho pi co chúng ta tôn vị thiên đập pi cho pi con ấy của bàn trai nhóm pi bình chi mê thì vị chiết nâng an dạ chiết so tài vị thiên đập mùi đặt miên cô lồm nón thôi đầm nang ở chôn đồng cua rứ sơ ma cung chôn đồng cua nơi chụp bùa mộc ăn chụp nôm chụp da vị sơ mảnh không lấy sức từ đó bóc phía kỳ để miên trai không cho bà rồi hỏi khi mà xong tin dục thả cứ phía ký chân đồng cửa để tăng luôn chế đam và năng lọc ní miền sật miền mê thử vi tự tiết chân mê thử vi đầm nang ní cứ đầm nang ở phía ký xong rắp lược lang ông pi phao lị bạc tèm phao cai phao chất đài quất chỉ chân đồng cửa nông xong mai cam bà chìa phía tập tái xong rắp xua rư xong rắp lược lang nộp nông ông chùm nông chùm đen ní bê ní được chân này đại sa phía kia đam và nâng rót ở bên ní quạt miên sứt lộc mê thử vi đầm nang ở quạt hơi nút nó không chấp bắp lẽ khăn thì cạ mê thử vi nơi bồi chiên là chạm Campuchia cứ ta bịa thầm mê thử vi tại mũi mặt thì. Mê thử vi đầm nang có đói mê thử vi cà pia có đói cứ thưa ở vấy tàu tam chấp bắp bàn trái hơi đầm bay Paul phải do rồi bỏ côn cái này luôn nó chết không đi côn cái đấy rư đam mà nâng rót vào bên đi rồi bỏ dường nhóm cứ đam mà nâng rót vào đi khai một ẩm pi chun rồng cua nội ảnh mình chẳng chun rồng cua thay nợ tục sau cái rư chịu sự cam tiền lai đại chi riêng quật tập phát đăng tìm tia sầm non phao cai phao chất mà vinh vận tải cả lược lang rư cả sna sâm cho bậc căn nâng đại tụng nguồn vì lúc tập hiệp tổ lưu chân chập trao đòi sầm mặt cách bảy địa nhà nút không vì thiên tim mà phải bấy cứ ao sức nông cà chua rúm nâng quan trọ cà chọt và cằn chẳng đâm bấy ở thưa cà quan trọ bán mình mến con tại phía kia làng mình dây thà khiêm sông quan trọ và địa nhát để ban lực làng thưa cà chọt và cằn và nâng quay từ với nhau việc chọn được tê nick chia cà dồi khơi rồi bọc như bạn hai không cho ba bữa vị thiên này tiết sao mình bạn bật sức đôi lúc địa nhát từ lực làng mình dây thà đầm nang ở đâu mà đang gọi này chạm ta tia thở bên tôi hay tia sầm nòng rứa cả tia sầm nòng tụt môn và đang quay từ bên ta bị chập ai ba tại đôi chân này mình chạm bạch châu luôn ở về bên lại rứa ở khát bên về liệt tệ sức từ bắc luôn là trong bằng hai ông pi paul bị bạ ông pi phep on từ lại tiếng lái ông pi cả yul khơi tam phật chấp bập đại ông sầm na ca bản đánh đau từ lư chôn chập chảo từ lư xạ xây bẩn lư xạ xây chấm niên rư xạ xây đam bẩn đăng rư chôn rồng cua chỉ đam bẩn đăng từ ngón này cứ khang mê thử vi rồi bỏ đam bẩn đăng rồi về ní ban quạt ra túc nâng túc chia chấm nói rúm sầm rạp sanh than
ជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ពលរដ្ឋញ្ញានៅចុងបញ្ចប់នៃសកម្មភាពនេះដោយលោកប្រធានបានលើកឡើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកុំឲ្យវាឆែក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាមេធាវីតំណាងឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋពលរដ្ឋក្នុងក្រុង2និងក្រុង4សូមឲ្យលោកប្រធានទទួលយកការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានទទួលសិទ្ធដល់ដើមម្ដងមេធាវីដើមម្ដងរដ្ឋនេះមានសិទ្ធក្នុងការសួរសំណួរដល់ជនជាប់ចោតឬសាក្សី Monsieur le Président, Madame Lacroix, je voudrais avoir été très surprise qui nous est aujourd'hui à tous posée. C'est certainement parce que j'appartiens à une culture de tradition juridique romano-germanique qui fait que peut-être il ne m'était même pas venu à l'idée que cette question puisse m'être posée. Néanmoins, puisqu'elle l'est, il convient d'y répondre. Je vous dirai que j'avais prévu de commencer mon intervention exactement de la même façon que M. le procureur de la République. En effet, pour ma part, tout comme M. le procureur, tout comme Maître Roux, dans un premier temps, il est en effet indiscutable que la présence des parties civiles dans ce procès, dans un procès hybride, dans un procès international, que cette présence soit reconnue. Les parties civiles sont parties intégrantes au procès. À partir du moment où elles se sont constituées, et cela au regard des règles légales. Et il est bien évident, je ne vais pas rappeler les articles qui ont déjà été rappelés par mes confrères. Je ne vais pas, disons, les reciter. L'article, en effet, 23 du RIL, qui me permet de faire d'ailleurs une observation. Puisque il vous a été indiqué tout à l'heure, de l'autre côté de la barre, du côté de la défense, que les parties civiles étaient là pour venir exposer leur souffrance, faire état de cette souffrance et demander réparation, ce qui est en effet le cas. Mais il est prévu par les textes, donc par l'article 23, qu'en effet, elle participe en soutien à l'accusation aux poursuites des personnes responsables d'un crime relevant de la compétence des CETC. Mais c'est exactement la même chose dans les procès de culture, de tradition romano-germanique. Les parties civiles viennent en effet à l'appui de l'accusation et participe à l'intégralité des débats. Et n'ont pas été encore cités à ce stade, toujours dans le cadre simplement du RIL. Les articles, les règles 90 et 91 du RIL qui traite de l'interrogatoire de l'accusé et de l'audition, des autres parties et témoins. Dans le cadre de l'interrogatoire de l'accusé, après l'interrogatoire, les coprocureurs, les autres parties et leurs avocats sont autorisés à poser des questions à l'accusé. Toutes les questions, bien entendu, sont posées sur l'autorisation du président, à l'exception des questions. Je ne continue pas cet article. La règle 91, les coprocureurs, les autres parties et leurs avocats peuvent être autorisés par le président à poser des questions. Il n'y a donc aucune difficulté en ce qui concerne ces textes. Par ailleurs,
le droit cambodgien autorise explicitement la présence des parties civiles à tous les stades de la procédure et celles-ci donc peuvent soumettre leurs observations durant les audiences. Et l'article 326 du nouveau code de procédure pénale rejoint les articles que je viens de vous citer au niveau du RIRN dans son alinéa 2, puisque le procureur, les avocats et les parties civiles peuvent être autorisés à poser des questions. Toutes les questions à poser doivent être autorisées par le président de la Cour. Je me permets aussi de faire référence à une décision de la Chambre préliminaire qui est intervenue notamment dans le cadre du dossier numéro 2, le 20 mars 2008, décision relative à la participation des parties civiles aux appels en matière de détention provisoire. Et là encore, la Chambre préliminaire a indiqué que contrairement au statut de la Cour pénale internationale, le règlement intérieur dispose que la partie civile, une fois constituée, peut participer à tous les stades de la procédure selon la règle 23.4 du règlement intérieur. Il n'est pas nécessaire de démontrer un intérêt spécial à aucun stade de la procédure, comme le présentent les co-avocats. Je pense donc que les parties civiles doivent bénéficier de la possibilité d'intervenir à tous les stades de la procédure, bien entendu avec l'autorisation du président, et cela au même titre que les autres parties, puisque ces articles mettent toutes les parties au même rang et dans un même cadre. Je pense que là, c'est extrêmement important. Donc, ceci étant posé, il convient aussi de rappeler que les parties civiles sont représentées par des avocats qui sont libres et indépendants. L'accusé a eu tout à fait la possibilité d'interroger par le biais de ses défenseurs les parties civiles. Ses défenseurs ont exercé ce droit à bon escient dans un objectif particulier, la manifestation de la vérité et l'intérêt de leur client. À certains moments, ils ont estimé qu'ils n'avaient pas de questions à poser à la partie civile. Les avocats de la partie civile entendent avoir la même possibilité, le même choix. Ils sont partie intégrante au débat. Ils doivent avoir la possibilité, en effet, de pouvoir interroger l'accusé sur sa personnalité, et interroger les témoins et experts sur sa personnalité. Et cela, dans le but tout simplement de comprendre véritablement ce qui a pu se passer dans l'intérêt de leur client, et bien entendu, afin de participer à la manifestation de la vérité. Les avocats de la partie civile sont là aussi pour participer à une œuvre de justice et participer à un procès qui doit être un procès équitable. En ce sens, ils ont toute leur place. Ils ont toute leur place dans ce procès et à tous les stades de la procédure. Et comme il vous a été indiqué par M. le procureur précédemment, bien entendu, modifier les règles, à l'heure actuelle, seraient discriminatoires et ne seraient absolument pas comprises. Je pense que, véritablement, peut-être la Cour a-t-elle
des interrogations en ce qui concerne le temps, en effet, qui pourrait être accordé aux parties civiles. Il s'agit là d'un problème de police et d'audience, mais en tous les cas, le principe de la liberté de parole de l'avocat des parties civiles. Au regard même du statut de ces parties civiles, celui-là est indiscutable. Ils doivent pouvoir participer à tous les stades de la procédure. ត្រូវតែមានសិទ្ធិចូលរួមគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នៃដំណើរការនីតិវិធី អញ្ជើញ នាងខ្ញុំសូមគោរពលោកប្រធានម្ដងទៀតហើយនិងសូមគោរពលោកលោកស្រីចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិនិងអង្គសំណាកាទាំងមូលដោយសារតា ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះបានលើកឡើងដោយសហប្រិញ្ញាក៏ដូចជាមេតវីដាំបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីក្រមផ្សេងៗទៀតបានធ្វើរួចមកហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំគ្រាន់តែសូមធ្វើការបន្ថែមទៅលើគំនិតរបស់ដាំបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីក្រមផ្សេងៗទៀតតកតងទៅនឹងបញ្ហាមេសិទ្ធិរបស់មេតវីដាំបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនៅក្នុងការចូលរួមទៅលើអង្គហេតុ ថ្មីអង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើការដេញដោលទៅលើអត្តចរិតរបស់ជនជាប់ចោតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះដោយសារតាវិធាន 23 វិធានផ្ទៃក្នុងបានលើកឡើងដោយមេតវីដាំដឹងរបស់វិនីក្រម 3 រួចហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមលើកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ខ្មែរដែលមានចែងដោយសំអាងទៅលើមេត្រា 25 ក្រមកថាខណ្ឌ2នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងនោះមេត្រានោះគឺគេបានលើកឡើងតកតងទៅនឹងការសួរចម្លើយជនជាប់ចោតតកតងនឹងមេត្រានោះគឺត្រង់កថាខណ្ឌទី2បានលើកឡើងថាក្រោយពីប្រធានសំណាកាសួរចម្លើយរួចហើយប្រារិយអញ្ញាមេធាវី នឹងភិក្ខុអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលើកសំណួរសួរដល់ជនចាប់ចោតហើយនឹងមេត្រាមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធដែរដែលបានលើកឡើងរួចហើយប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើមេត្រា 326ការស្ដាប់ចម្លើយរបស់ភិក្ខុនៅក្នុងនោះគេបានចែងថាប្រធានសមណាការស្ដាប់ចម្លើយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីអ្នកទទួលខុសត្រូវ រដ្ឋបវេនីជនរងគ្រោះសាក់សីនិងអ្នកជំនាញតាមលំដាប់លំដោយដែលខ្លួនយល់ឃើញថាមានប្រយោជន៍ប្រធានសមណាការអាចស្ដាប់នៅចម្លើយមន្ត្រីនិងភ្នាក់ងារនគរបាលយុតិធធម៌ដែលបានចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតក្នុងឋានៈជាសាក់សី នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី2ក៏បានចងអល់បង្ហាញផងដែរថាបរិយាញ្ញាមេធាវីនិងភិក្ខុអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលើកសំណួរគ្រប់ការលើកសំណួរទាំងអស់ត្រូវតែបានអនុញ្ញាតពីប្រធានសំណាកាតកតងទៅនឹងមេត្រាទាំងពីរនេះនាងខ្ញុំយល់ឃើញថាមានការក្តោបយ៉ាងទូលាយទៅលើ ការដេញដោលនៅក្នុងសាលសំណាកានេះដែលកន្លងមកសំណាកានេះក៏បានអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីនោះដែរគឺថាក្រោយពីប្រធានអង្គជំនុំជម្រះធ្វើការសាកសួរហើយភាគីទាំងអស់ក៏មានសិទ្ធិក្នុងការតាំងសំណួរជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានលំដាប់លេខរៀងពីប្រារិយអញ្ញាដែលមិនដឹងរដ្ឋបវេនីរហូតដល់មេធាវីការពីក្តីអញ្ចឹងនេះខ្ញុំ ដូច្នេះហើយចំពោះអង្គហេតុដែលលេចឡើងថ្មីដែលធ្វើការដេញដោលបន្តបន្តទៅទៀតទៅលើអង្គហេតុតកតងទៅនឹងអត្តចរិតនេះនៅក្នុងសាសនាការនេះអញ្ចឹងភាគីទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសួរដេញដោលបន្តទៅទៀតដោយយោងទៅតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកន្លងមក ទៅលើអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទប្រកាន់គឺភាគីតែងតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដេញដោលទៅលើអង្គហេតុនោះ
hay tẹt tông tận năng ông hay tẹt tông tận năng à tại chợ đặc chân chợ chợ ní với cổ chiếc ông hay mua đẹp bẹp con tận năng rương hay bắt chợ bậc căn đại đối chân hay hai việc kỳ tầng óc cô tại miền sơn nước non ca sự đánh đau bẩn to tận tiệt trong nên khi nhóm sản phẩm miền mệt vị đam đang lo về ní miền sơn nước non ca đánh đau từ lơ rương ní bẩn to tận tiệt xong nó còn hay năng xong bờ tây việt can ấy chun từ mệt vị ăn trái trên nước non cầm nên khi nhóm làm bay bên chân dục bò xong nó còn chơi mệt vì ở làng quen nữa Merci, Monsieur le Président. Laissez-moi d'abord vous faire part du fait que, effectivement, notre groupe aussi, nous avons été un peu surpris hier soir quand nous avons compris que vous nous entendre sur sa question. Mes confrères et le co-procureur international et national ont évoqué un certain nombre de règles de droit. Je ne vais pas y revenir. Bien sûr, nous nous associons à tous les arguments qui ont été faits de ce côté de là-bas. Laissez-moi juste vous dire que sur le droit, jusqu'à présent, les critères pour les questions ont été que ces questions ne devaient pas être répétitives, que cette question devait être dans le sujet. C'est ces critères-là que depuis 5 mois, vous avez adopté, je pense, de façon juste. Et autant que possible, nous avons essayé d'être à la hauteur de cela. C'est ces deux critères uniquement qui ont été retenus. Alors, j'aimerais juste, et je pensais le faire avant que vous rendiez votre décision. Il y a en effet deux choses différentes. Il y a les plaidoiries et puis il y a les questions que les parties posent durant les audiences. Et effectivement, sur les plaidoiries, vous avez rendu votre décision. Sur les plaidoiries, nous n'étions pas d'accord avec la défense. Nous n'étions d'ailleurs même pas d'accord entre nous, entre les différents groupes des parties civiles, et vous avez décidé. Et ça, c'est une chose. Mais la question de savoir si les parties civiles peuvent poser des questions aux experts et aux témoins est une question séparée. Alors, à l'époque, lorsque nous plaidions des deux côtés de la barre sur la question de sur la question de savoir si oui ou non nous pouvions plaider. Maître Roux, à un moment donné, a évoqué la possibilité d'appeler Robert Badinter pour venir vous expliquer qu'est-ce qu'il se passe en droit français. Laissez-moi juste vous dire que si Robert Badinter était venu, et avec lui les plus grands esprits juridiques français, tous, ils vous auraient dit qu'évidemment, les avocats des parties civiles sont autorisés à poser des questions à tous les experts et à tous les témoins dans tous les procès criminels en France. Et la situation n'est pas différente dans mon pays ou dans d'autres pays de droit civil. Nulle part, là où il y a des parties civiles, nulle part, il n'existe une distinction entre différents témoins ou différents experts. Nulle part. Donc soyons clairs, vous créeriez une distinction qui n'existe pas. Et évidemment, ce serait un énorme pas en arrière. Laissez-moi vous dire autre chose. Vous nous posez la question aujourd'hui sur des témoins qui sont appelés à déposer sur le caractère de l'accusé et uniquement sur le caractère de l'accusé. Mais qu'on soit clair, depuis la fin mars et depuis le début des audiences sur le fond, quasi tous les témoins et tous les experts ont parlé d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, du caractère de l'accusé. Et tous les avocats des parties civiles, quasiment tous les avocats des parties civiles, depuis 5 mois, ont posé des questions aux experts et aux témoins sur le caractère de l'accusé. En juin, moi-même,
J'ai posé directement des questions à l'accusé. L'accusé soutenait qu'il n'allait pas dans les cellules car il se ressentait de la pitié. Et il avait dit, le jour d'avant, au juge Laverne, que oui, il était lâche. Et moi, j'ai confronté l'accusé et je lui ai demandé s'il n'était pas vrai, que ce n'était pas par lâcheté ou par pitié qu'il n'allait pas dans les cellules, mais c'était parce qu'il était opportuniste et qu'il ne ressentait pas de compassion. Je lui ai demandé ça, personne n'a objecté. Ni la défense ni les juges. Ma question a été considérée comme parfaitement appropriée et l'accusé m'a répondu. Le 28 mai, Dr. Richardson, j'ai posé 3 ou 4 questions moi-même au Dr. Richardson sur l'inventivité de l'accusé. Et le Dr. Richardson, quasi pendant une heure, a parlé de l'inventivité de l'accusé, de son zèle, de ce côté du caractère de l'accusé qui fait qu'il a multiplié les méthodes de torture à S21. David Chandler, le 6 août, a parlé en long et en large, du caractère de l'accusé. Du fait que l'accusé et son ancien métier de maître d'école avaient collé de façon si parfaite avec son métier à S21. Et nous lui avons posé des questions sur ce fait. Et ça, c'est les experts. Mais parlons des témoins. François Bizot, le 9 avril. François Bizot a parlé en long et en large du caractère de l'accusé. J'ai posé des questions à François Bizot sur le fait de savoir si le caractère de l'accusé, son penchant pour la culture française, son intellectualisme, avait permis au témoin François Bizot de convaincre l'accusé de son innocence et de sauver sa peau. Et je lui ai demandé s'il ne pensait pas que pour d'autres personnes, pour des Khmer, à cause du caractère de l'accusé, cela n'était, il n'aurait pas pu convaincre l'accusé de la même façon. Et François Bizot m'a répondu. Et Momnai, le 14 juillet, j'ai posé directement moi-même des questions à Momnai sur le caractère de l'accusé, sur son penchant à dénoncer systématiquement les gens pour les envoyer à S21. Et Momnai m'a répondu directement sur ce point. Si j'avais eu plus de temps, je serais retourné dans les transcripts et j'aurais trouvé tous les exemples, tous les témoins auxquels nous avons posé des questions directement sur le caractère de l'accusé. Et je peux vous assurer qu'à mon avis, plus de 3/4 des témoins et tous les experts ont été interrogés par les parties civiles sur le caractère de l'accusé. Alors, la situation est celle-ci. Le droit est dura de l'ex et de l'ex. Le droit est parfaitement clair et mes confrères l'ont rappelé. La pratique est unanime dans tous les pays de droit civil. Et la dynamique interne depuis 5 mois de ce procès fait que tous nous avons pu poser des questions aux experts et aux témoins sur le caractère de l'accusé. Alors si votre décision, c'est que nous ne pouvons plus, nous nous serons dans une situation où nous avons pu poser des questions à tous les témoins et tous les experts parce qu'ils n'étaient pas appelés spécifiquement sur le caractère de l'accusé. Mais lorsqu'ils sont appelés sur le caractère de l'accusé, alors nous ne pouvons plus poser de questions sur ce sujet. Cela ne peut pas être le sens de votre décision. Je vous remercie. សូមអំពីអត្តចរិតរបស់ជនជាប់ចោតហើយបែរជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងសួរវិញនោះវាជាបញ្ហាមួយគួរឲ្យចម្លែកណាស់ចំពោះយើងខ្ញុំសូមអរគុណ មួយលើនេះដល់ម៉ោងត្រូវពិសាថ្ងៃត្រង់ហើយអង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់ដើម្បីពិសាថ្ងៃត្រង់ hay ដំណើរការសម្រាប់ការនឹងលើកទៅបន្តនៅរុស្សេលនេះចាប់ពីម៉ោង1:30នាទីហើយរុស្សេលនេះយើងនឹងស្ដាប់នៅមតិយោបល់របស់មេធាវីកាលពីក្តីរួចហើយយើងនឹងធ្វើការប្រជុំពិចារណាសម្រាប់អំពីបញ្ហានេះនិងកាលពេលវេលាសម្រាប់កំណត់ក្នុងការសួរ ទៅជនចាប់ចោតនឹងទៅសាក់សីឬអ្នកជំនាញដោយភាគីអនុរៈមន្ត្រី
khung khéng ở nông chuyển cho từ bản tục xâm ra hay ở nông quật một căn xa xa mạc cả vinh để được xuyên đi bằng một mong mùi nâng xa tập đất tí chưa cầm nọt. Xong trên cầu cho.